Notre ambition est claire, gagner la bataille du climat. Et ensemble, et en responsabilité, et même avec le PPE, nous avions fixé le cap dès 2019, celui de la loi climat, notre boussole pour être le premier continent neutre en émissions carbone. Nous avons le devoir d'agir, toujours ensemble et en responsabilité, pour tous ceux qui, en Europe et dans le monde, subissent les conséquences des chaleurs extrêmes, des sécheresses, des inondations, de la montée des eaux. Nous ne gagnerons, Monsieur le Commissaire, que si nous agissons dans un cadre multilatéral et en étant cohérents. Et nos politiques extérieures doivent être en ligne avec le Green Deal. Et notre politique commerciale doit elle aussi davantage se verdir. Poussé par la France, l'accord de Paris devient une clause essentielle de nos futurs accords de commerce. Mais il nous faut aller plus loin. Ce doit être le cas pour tous les accords de commerce, avec des chapitres développement durable qui intègrent des sanctions en cas de non-respect des engagements. Le climat ne doit pas être non plus la variable d'ajustement de nos accords de commerce. Et l'Union européenne doit continuer à agir aussi avec l'OMC pour réellement obtenir nos objectifs. Je vous remercie.